Alors, Bessérata Nishma, on va voir Pirkei Avot, Pirkei Aleph, Mishnah, Vav. Et on parle de Yeshua ben Parachia, donc la suite des Zougot. Yosef ben Yoézer, on l'a vu. Yosef ben Yohanan, Yerushalayim. Non, c'est les Zougot, c'est Yeshua ben Parachia, Venita Yarbeli. Yeshua ben Parachia, donc qui était le Nassi du Sanhedrin, et Nita Yarbeli, qui en était le Av Bet Din. C'est toujours donc la complémentarité des Zougot. Yeshua ben Parachia, c'est très particulier. Et on dit de Yeshua ben Parachia, on voit dans la Gemara qu'il s'est sauvé à Alexandrie. Donc il était le Nassi du Sanhédrin et il a dû se sauver à Alexandrie, en Égypte. Dans quel contexte donc il vivait et Yeshua ben Parachia? Alors on remarque que c'est une époque pas simple du tout. Il y avait des tzedoukim. Pourquoi? On sait que là, on est après la victoire des Hashmonaïm sur les Grecs. Matityahu avait ses enfants qui ont lutté à ses côtés. Et un seul enfant qui est resté vivant après la victoire, c'est Shimon. Shimon, le fils de Matityahu, qui a pris donc le pouvoir, qui était le Nassi du Sanhédrin, le leader du Ham Israël, qui va avoir un enfant. Donc il y a Matityahu, Shimon. Et il va avoir un enfant qui s'appelle Yohanan. Yohanan va être Kohen Gadol, donc va succéder à son père. Juste précisons que Shimon, il faudrait le développer Bléneder une fois, Shimon, fils de Matityahu, a été tué par son gendre, Shem Yetzilenu, par son gendre, qui voulait prendre le pouvoir. Et Yohanan, donc son fils, l'a précédé, l'a empêché, donc a empêché son beau-frère de prendre le pouvoir. C'est toute une histoire. Mais en tout cas, Yohanan se trouve Kohen Gadol. Hashmonaïm, c'était des Kohanim. Ils étaient aussi Nessim ici. Ouais. C'est un sujet en soi. En tout cas, Yohanan succède à son père Shimon, prend donc la Keuna Gdola plus Nassi. Et il est tzaddik. Tout au long de sa vie, il est tzaddik. Il continue sur les traces de son père. Mais la Gemara dans Brachot Daf Chaf Tet nous révèle que Shmonim Shana, Kihen Bekehuna Gdola, Uvasof Naaseh Tzedoki. Donc ça veut dire nous avons le petit-fils de Matityahu, Shimon, Yohanan, le petit-fils de Matityahu, qui à la fin de sa vie devient Tzedoki. Il était tzaddik, mais il est devenu tzaddik, ce qui fera dire à la Gemara, donc dans Brachot Daf Chaf Tet, Ve'al te'amin be'atzmach ad yom motach. Ne crois pas que tu es invulnérable, ne crois pas que parce que tu as de l'expérience, tu as pris de l'âge, c'est bon. Al te'amin be'atzmach ad yom motach. Compliqué. 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 Mais en tout cas, à la fin de sa vie, il devient tzaddik. Pourquoi? Parce que donc c'est particulier, c'est-à-dire que les Hashmonaïm sont venus à bout des Yevanim. Donc il y avait moins d'influence grecque. Néanmoins, il y avait les Tzedoukim. Il y avait encore les Tzedoukim. Et les Tzedoukim avaient donc été une certaine influence. Et lui, il les côtoyait. Côtoyer des Tzedoukim, ça l'a achevé. Côtoyer les Tzedoukim, ça l'a achevé. À tel point, que Bokertov, à tel point que Shimon, que Yohanan Kohen Gadol, donc sous l'influence des Tzedoukim, poursuivait les Chachamim. Il poursuivait les Chachamim, voulait les tuer. Voulait les tuer. Il y a une Gemara, d'ailleurs, voilà, ici dans Sota, on va la lire tout de suite, une Gemara dans Kiddushin, Samechvav, Sota Daf Mem Zayin, et c'est dans ce contexte-là, puisque Yoshua ben Prachia vivait à l'époque de Yohanan, et ensuite, après, il y a eu son fils, et il y avait Yanaï. Ouais, donc, c'était des rois qui en voulaient aux Chachamim, qui en voulaient aux Prouchim, qui voulaient les tuer. Et c'est pour ça que Yoshua ben Prachia a dû se sauver. Et vous connaissez peut-être Yoshua ben Prachia, on dit, marqué dans les Rishonim, que l'un de ses élèves, etc. Hein, vous connaissez l'histoire, bon, pas besoin de rentrer dans ça, c'est pas. Mais en tout cas, bon, voilà. Donc, alors je vais vous la Gemara dans Massechet Sota Daf Tet Zayin, elle dit comme ça. Il y a marqué la Gemara là-bas, elle parle dans Sota même Zayin. Leolam tehe yamin
Smol docha v'yamin mekarevet. Ça veut dire qu'il faut des fois avoir un... Mais il faut que la main droite, qui est la main la plus forte, enlace, rapproche. Smol, la main la plus agile, la plus habile, néanmoins, c'est sans conviction, sans plutôt, sans trop d'habitude, il faut être marchik. Smol docha, faut être doché, yamin mekarevet. Ça veut dire qu'il faut savoir allier, faut pas être trop dur. Être trop dur. Smol docha v'yamin mekarevet. La Gemara nous rapporte l'histoire de Shimon, de Yehoshua ben Parachia avec Shimon ben Shattach. Il marque comme ça. Kedeavaka katil yanaï malka le rabanan. Donc yanaï malka, c'est encore donc, dans la suite de Shimon, Yohanan. Ça vient après, un des rois qui vient après. Il était marié avec une tzadekette. Qui était la femme de yanaï? Ça aussi, il faut en parler. Qui était la femme de yanaï? De Shimon ben Shattach, comment elle s'appelait? Shlom Tzion Amalka. C'est une tzadeket. Shlom Tzion Amalka, c'était une tzadeket. C'est la sœur de Shimon ben Shattach. Donc Yanaï, il en voulait aux Chachamim, parce qu'ils avaient rejoint les Tzedokim. Alors il dit, Shimon ben Shattach atminu achte. Donc il voulait tuer même son beau-frère. Sa sœur, Shlom Tzion, donc femme de Yanaï, va cacher son frère. Et dans Kiddushin Samech Vav, on nous dit qu'un jour, ils étaient assis, etc. Il va lui dire, hey, etc. Il va ressortir son frère. Mais en tout cas, dans un premier temps, elle a caché. Et Rabbi Yehoshua ben Parachia nous dit la Gemara, Azal Arak l'Alexandria shel Mitzrayim. Il s'est sauvé à Alexandrie, parce que le roi Yanaï voulait le tuer. Donc c'est la suite de Yohanan. Il était Talmid Hacham. Vous savez qu'il y en a malheureusement qui n'ont pas besoin d'autres raisons que celle-ci. Achoti. Après, donc, règle Alexandra, Kiava Shalma, et lorsque il y a un moment où Yanaï s'est calmé, sous l'influence donc de son épouse, Shalach le Shimon ben Shattach. Shimon ben Shattach adresse un courrier à Yehoshua ben Parachia et il lui dit Mini Yerushalayim ira Kodesh, lach Alexandria shel Mitzrayim. De moi, ville sainte de Yerushalayim, Alexandrie d'Égypte. Achoti. Ma sœur, Baali Sharoui Betocher, mon maître, réside en toi. Yerushalayim s'adresse à Alexandrie. Mon maître, Yehoshua ben Parachia, réside en toi. Vani Yoshevet Shomema, et moi, je réside déserte. Donc, c'est deux villes qui dialoguent dans ce courrier, et comme si, donc, Shimon ben Shattach, pardon. Ouais, il lui dit, voilà, tout à fait, que Yerushalayim l'appelle, autrement dit. Yerushalayim l'appelle, et donc Yerushalayim... Alors, Alexandrie a bien de la chance d'avoir en elle Shimon ben... Yehoshua ben Parachia. Mais Yerushalayim le réclame. Yerushalayim le réclame. Donc, comme si Yerushalayim dit à Alexandrie, ma sœur, mon maître est en toi, et moi, je suis déserte. Alors, ça, c'est le courrier de Shimon ben Shattach et Yehoshua ben Parachia. Amar Shmamina Valeshalma. Il a compris, donc, comme vous dites, c'est un code, il lui a fait comprendre qu'il pouvait revenir. Kiata. Et lorsqu'il est dans son chemin du retour de Alexandrie vers Yerushalayim, il arrive dans une auberge. Et puis, la femme aubergiste les accueille avec beaucoup de respect. Et Yehoshua ben Parachia va dire, mais qu'est-ce que... Kamana'a Arsenazo, cette auberge est belle. C'est-à-dire que parce qu'elle a beaucoup de qualités, elle sait respecter les Chachamim. Il vivait dans une époque un peu... Alors, un de ses élèves, il dit, mais elle louche. Vous dites qu'elle est belle, elle louche. Alors que lui, il ne parlait pas d'elle, il parlait de l'auberge. Alors, il lui a dit, Racha, bekachata osek, il l'a mis en idouille. Et chaque jour, il essayait de revenir. Il n'acceptait pas. Un jour, il était en train de lire le Kriyat Shema, il lui a fait signe d'attendre. L'élève avait a mal interprété son signe. Il croyait qu'il lui disait pas, non, qu'il refusait. Donc, et il a pris donc quelque chose, il s'est mis à faire Avodah Zara. Et à un moment, Yehoshua ben Parachia va chez cet élève qui a commencé à faire Avodah Zara, il lui dit « Chazor Becha, fais tshuva. » « Amar l'ikar mekoubali mimcha, kol achote ou marti et arabim, en maspikin biyado la sot tshuva. »
Il a déjà essayé, était messite ou médiar. Il a déjà. Donc, etc. Dans ce contexte-là, Yoshua ben Prachéa, qui s'est sauvé à Alexandrie, revient. Quand la menace de Yanaï, donc Yohanan, Aristobulus, c'était son fils, ensuite Yanaï, donc c'était une chaîne de rois qui finalement en voulait beaucoup au Chachamim et qui a contraint Yoshua ben Prachéa à se sauver alors qu'il était nasi du Sanhédrin. Et c'est pour ça que Shimon ben Shattach, élève de Yoshua ben Prachéa, le rappelle pour qu'il revienne être à la tête du Sanhédrin. Il revient et il va enseigner donc les enseignements de notre Mishnah. Yoshua ben Prachéa, Venita Arbeli Kiblou Mehem. De qui? De Yesse ben Yoezer, Itchserda, Yesse ben Yohanani, Shirushalayim. Et il dit Yoshua ben Prachéa, Asse lecharav, ukne lechachaver. Trois phrases. Asse lecharav, ukne lechachaver, vedan et kol adam le kafzechut. Asse lecharav, ça veut dire que il y a deux, dans la vie, il faut faire un bet va'ad la chachamim, yehebetra bet va'ad la chachamim, parce qu'il faut s'inspirer de leur grandeur, de leur comportement, c'est bet va'ad la chachamim. Mais ça, c'est Yesse ben Yoezer qui donne, c'est-à-dire voir les chachamim, les côtoyer. Shimusha, shel Torah. Shimusha, shel Torah. C'est limouda, shel Torah. Ce n'est pas parce que Gdola Shimusha yoter mi limouda qu'on va faire que Shimush. Il y a aussi limouda Torah. Il dit, Asse lecharav, ça veut dire que nomme-toi un rave. Nomme-toi un rave. C'est-à-dire ne sois pas là ici en train d'observer et dire, moi j'aime tout le monde, tous les rabbanim sont des rabbanim, et je suis un peu Chabad, un peu Breslev, un peu Sfarad, un peu de tout. Un peu de tout. J'ai rien contre aucun, bien entendu. Inutile de le préciser. Mais il faut prendre dans la vie un cave, un rave. Qui va être, c'est important pour soi, c'est important aussi pour ses enfants. C'est-à-dire que les enfants sont bien plus rassurés lorsqu'ils savent que leur père a quelque chose, une référence, qu'il suit une direction, il sait donc diriger le navire, et c'est pas, il a une boussole, c'est pas approximativement un peu de ci, un peu de ça. Surtout en Eretz Israël, le devoir de prendre une direction très claire, c'est quelque chose qui est indispensable. Ça, c'est donc le Asse Lecharav. Asse lecharav, il dit, pourquoi il n'y a pas marqué les madmirav. Asse lecharav, ça veut dire que même si, hein, il faut nommer un rave. Il y a plusieurs. Et en plus, même si tu penses qu'il n'est pas forcément le top, aval, nomme le rave. Il faut avoir un rave. Asse lecharav. Ou kne lechachaver, ça veut dire que l'amitié, pour pouvoir progresser, on ne parle pas d'un chaver pour aller jouer au foot. On parle d'un chaver pour progresser, c'est-à-dire pour progresser, pour se confier, pour prendre des conseils, pour discuter, pour ça, c'est kneel chaver, ça veut dire que il faut l'acheter. L'acheter, ce chaver. Alors l'acheter, ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter. Ouais, c'est une connotation un peu bizarre. Mais ça veut dire, l'acheter, ça veut dire que il faut des fois subir ses humeurs. C'est aussi un investissement. Ouais, des fois, il n'est pas au top. Votre famille, Voilà, vous il faut, il n'est tous. pas au top. Malgré qu'il ne soit pas au top, il faut néanmoins faire un effort, et cet effort est une forme d'acquisition, d'investissement, d'acquisition. Ouais, il faut s'investir pour aller lui donner un beau Mishloach Manot. Tout ça, l'amitié, ça se conserve. C'est comme ça s'entretient. Ouais, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire quelque chose auquel il faut faire un effort. Ouais, c'est les amitiés pour jouer au foot. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le foot. On a un intérêt commun. C'est le foot qui nous intéresse. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de s'investir. Mais quand on veut un vrai ami, on veut un vrai ami, Knelech HaChaver, Anien, toujours je me suis dit, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas marqué Chaverim. Knelech HaChaverim. Il y a un lien pour le garder et pour l'avoir Ouais, absolument. j'entendais quand j'étais petit une chanson d'un chanteur qui disait, merci mon Dieu que tu m'as donné un ou deux amis. Alors, je devais avoir 10, 11 ans. Je lui dis, bah, il n'en a pas beaucoup, lui, des amis. Moi, j'en ai bien plus des amis. J'en ai beaucoup plus de la vie, ouais, c'est pas un ou deux. Et puis après, quand on avance dans la vie, on se rend compte, etc., etc. Donc voilà, Kne Lecha Chaver, ça veut dire qu'il y a un Chaver qui est fidèle et qui est dans lequel il faut s'investir pour l'avoir. Ouais, Kne Lecha Chaver, c'est ça, c'est lui qui va s'intéresser à nous, c'est lui qui va vraiment un lien de progrès, un lien positif, un lien indispensable.
Vevedan et kol adam le kavzichut. Vevedan et kol adam le kavzichut. Alors d'emblée, il y a un pshat qui me plaît beaucoup. Je crois que c'est le Maharal, le Sforno. Ils disent assez le charav ou kne le chachaver. Mais dans le rav, forcément, tu verras des défauts. Tu verras des défauts. Le chaver aussi, tu verras des défauts. Donc si tu dois, hein? Des défauts, moumim. Non? Je dis que dans le rav ou le chaver, vous voyez des défauts. Non, est-ce que vous avez un chaver? Vous n'avez pas. C'est quoi? Votre homonyme, c'est votre meilleur ami. En tout cas, là, il faut vérifier quelque chose. Là. Bon, en tout cas. Avec le temps. Qu'il est le chaver. Il faut avoir un ami. Il faut avoir un ami. Mais pour avoir un ami, il faut être indulgent. Si tu es rigoureux, dès qu'il te déçoit, tu lui donnes un coup de pied, alors tu n'auras jamais d'amis. Il faut avoir une certaine indulgence, ouais, comme dans beaucoup de domaines dans la vie. Même si tu veux harceler le harav aussi. Des fois, il fait quelque chose qui ne te plaît pas. Il fait quelque chose qui ne te plaît pas. Alors quoi? Tu as besoin que pour avoir un haver et un rav que tout te plaît, ben alors tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Personne n'est parfait. Alors il va te faire des choses des fois que tu n'aimes pas. Il va avoir un comportement que tu ne trouves pas idéal, selon ta perception. Si tu n'as pas l'amida de Kavzechout, alors tu ne peux avoir ni un Rav, ni un Khaver. Ça, c'est ce que nous dit le Sforno. Oh, à Chazak ou Baruch. Alors, vous dites très bien. Alors, je vais vous dire, on va voir tout de suite. Mais en tout cas, dans le principe, comment Dan le Kavzechout? Ça veut dire quoi Dan le Kavzechout? Ça veut dire quoi concrètement? C'est un gros sujet. On va dire, avec votre permission, un Shaharei Tshuva. Shahar HaShlishi, Rabbeinu Yona, autre Reshut Zayin, Reshut Tret, on va voir un tout petit peu. Le Rabbeinu Yona apporte un pasouk dans Michelet qui dit « Evilim Yalitz Hasham ». Ça veut dire quoi « Evilim Yalitz Hasham » ? L'imbécile va toujours être à la recherche des défauts. Il va toujours être à la recherche des défauts. « Uven Yesharim », je cite le pasouk, « Uven Yesharim Ratzon », au contraire, celui qui est droit, il a toujours la volonté d'enjoliver un petit peu la personne, pas de lui trouver sans arrêt des défauts, de prendre ses bons côtés, etc. Alors il dit le Rabbeinu Yona, qui en est chez Evil Amelitz Hasham, donc c'est vilain ce qu'il dit du Evil, etc. Il dit que ça ne concerne que Iten Dofi Be'ish Yerechet. C'est-à-dire, il y a un ish qui est rechet, quelqu'un de bien, rechet, irechamaim. Des fois, il fait une erreur. Ça arrive, il fait une erreur. Minago vedar kolit haret al khatav, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fait une erreur, il regrette. Alors, et bien souvent, en plus, tu sais qu'il regrette. Et là, il y a le evil. Lui, dans l'homme, il rechet, il va toujours aller chercher ses lacunes. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est un rechet. Tamid Chacham, un Ben Torah. Il a fait ça, il a fait ça. C'est un Evil. Un Evil, c'est un Tipesh. C'est un Tipesh. Il dit, Avala ish asher tedo bachante darko kien pachad Elohim le neged enav. C'est quelqu'un qui n'a pas d'irat shamaim, qui ne voit rien. Az adrabe. Il dit, mitzvah li tzaper bignuto. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit que Evil, yalitz hasham, donc le c'est quand il y a quelqu'un de bien. Et le Evil, il va toujours être à la recherche. Je vais regarder à la loupe. C'est les défauts du gars bien. Ça, c'est... Et il dit le Rabbeinu Yona, qui tirait Adam Asheri Daber d'avoir ouya assez maassé. Lorsque tu verras quelqu'un dire ou faire quelque chose, et que tu peux juger son action de deux façons. Positivement ou négativement. Alors, il dit comme ça. Il y a trois dargotes. Si c'est quelqu'un qui est Elohim, c'est quelqu'un de bien. Nitrayav tala dunoto le kavzchut al derechemet, gam ki yeye adavar karov venote yoter et cela daat le kavchova. Même si a priori l'interprétation de ce qu'il fait penche plus vers le chova, tu as le devoir de donner une interprétation positive à ce qu'il vient de faire. Quoi? Bien sûr, bien sûr. Ouais.
Donc il faut on peut voir quelqu'un qui fait une erreur. On le voit à 10h du matin avec le sac de talit et des tefilines. Alors tu vas dire, ah, il a fait la grasse matinée, lui. Oula, bon, ok, attends, j'ai compris. Ouais, disons. Aval dis, kav zechut, atayodeamaya. Tu sais ce qui s'est passé. Kav zechut. Et même si, a priori, à 11h aussi, tu le vois avec ça. Kav zechut, a priori, il n'y a pas trop. Kav zechut. Même si, ça c'est la mitzvah tassé qu'on a lu dans Parashat Kedoshim. Betzedek, tishpot amitecha. Donc, ça veut dire, dans quelqu'un qui est reshomaim, rechet, qui est... Même s'il y a de petites chances, une interprétation un peu lointaine, positive, il faut l'adopter. Quand c'est un Benoni, je termine très rapidement, quand c'est un Benoni, alors effectivement, c'est uniquement si les choses sont équivalentes qu'on va adopter le Kav Zechut. Mais et quand c'est un rachat, même si ça paraît bon, il faut être dans le Kav Chova. Comme ça il dit Rabbi Yona, un Rishon. Ouais. En tout cas, ça c'est d'être comme ça. T'es ton rave, t'es ton chaver, forcément c'est des gens bien. Même si a priori tu vois quelque chose, Cédric, tu dois t'efforcer à l'interpréter positivement. Ça c'est le din. Il n'y a que le Evil qui va chercher à la loupe et les défauts et donc focaliser dessus et les amplifier. Avant l'homme saint d'esprit, quand il a un rave, quand il a un chaver, même si il a des défauts, il sera dans notam le kav zechut, im kem bezila mitzvat ase de oraita, de betzedek tishpot et amitecha.